now let me introduce you very quick Radhika Idapova. She's a judge at the High Court of Cassation and Justice in Romania. She specialized in penal law, and she had written on the penal law extensively. She has a PhD, and not lastly, she was my colleague from my generation and an old friend of mine. Merci Madame la Présidente, merci Madame Ottock pour chaleureusement introduction. Chers distingués invités, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Je restais sans air avec la première session de discussion et de présentation parce que c'est l'espace des connaissances absolument traditionnel et de nouveauté en même temps pour moi, qui je suis un juge spécialisé en matière pénale. Et pour n'être pas très descriptif, je reviens à mon sujet de débat d'aujourd'hui. Punir doit toujours avoir le sens de corriger, disait le grand historien roumain Nicolae Iorga. Il est néanmoins difficile de dire en quelle mesure est atteint le but éducatif de la peine, qui n'est qu'un aspect de celle-ci, quand un pourcentage statistique il serait difficile à obtenir et ne serait que relatif et orientatif. Ceci étant, je ne me suis pas proposé dans ce qui suit une présentation théorique, mais une approche pragmatique de certaines recommandations concernant l'individualisation judiciaire des peines dans les cas des infractions de corruption dans le système des sanctions pénales roumaines. Je pars dans ma démarche des deux instruments internationaux importants de la lutte anticorruption, à savoir la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à New York le 31 octobre 2003, ratifié par le Parlement de la Roumanie par la loi numéro 365 par 2004 et la Convention pénale sur la corruption adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1989, ratifié par les autorités roumaines à travers la loi numéro 27 janvier du 16 janvier 2002. Ces deux conventions propose aux États plusieurs recommandations similaires visant à introduire dans leur législation nationale les normes les plus prédictibles et prévisibles concernant divers aspects de lutte contre la corruption dans le domaine public et privé, à savoir la corruption des agents publics nationaux, le trafic d'influence, l'abus de fonction, l'enrichissement illicite, les poursuites judiciaires, le jugement et les sanctions, le blanchiment d'argent, les infractions comptables, la compétence. L'article 30.9 de la Convention des Nations Unies contre la corruption libelle que nulle disposition de la présente convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions désignées et des moyens juridiques de défense applicables ou d'autres principes déterminant la légalité des incriminations, tiennent exclusivement du droit d'intérieur d'un État parti, les infractions respectives étant poursuivies et punies conforme à ceux-ci droit-ci. Une dimension de la politique pénale roumaine en la matière est aussi donnée par le cadre de peine. Celle-ci est principalement gouvernée par le principe de légalité, caractérisant l'ensemble des moyens juridiques pénaux utilisés contre le phénomène infractionnel. Le cadre de peine présente aussi bien un intérêt théorique du point de vue de politique législative qu'un point de vue pratique permettant d'orienter concrètement l'activité de la justice dans l'application et exécution de peine. La peine est donc un concept complexe devant être analysé dans la perspective du rapport État, délinquant, victime et société. Sans nous proposer de présenter dans leur détail les implications de la peine face à ces quatre aspects, nous préciserons seulement que des implications nombreuses et intéressantes existent pour chacun d'entre eux. Je mettrai
cependant en évidence que pour la société, la peine a non seulement une écho législative en ce qui concerne le genre de peine et des limites spéciales prévues dans l'abstrait pour chaque incrimination, mais aussi une écho pratique comptant dans le processus d'individualisation judiciaire lorsque, tenant compte des dispositions de l'article 72 du Code pénal, le juge applique concrètement la peine principale, puis choisit la modalité de son exécution. Je mentionnerai en bref le contenu de la norme invoquée dans la fixation et l'application des peines, l'on tient compte des dispositions de la partie générale de ce code, des limites de peine fixées dans la partie spéciale, du degré de danger social que présente l'acte commis, de la personnalité de l'infracteur et les circonstances atténuantes ou aggravantes concernant la responsabilité pénale. Il existe aussi deux alinéas, c'est important, mais je ne soulignais pas au moment. Pour combattre la corruption, le législateur roumain a adopté une loi spéciale, respectivement la loi 78 du 8 mai 2000, pour prévenir, découvrir et sanctionner les actes de corruption. Ils sont prévus des normes concernant certaines catégories d'infractions, respectivement les infractions de corruption pour vin reçu et donné, trafic d'influence tel qu'il est réglementé par le Code pénal, achat d'influence, mais si les faits ont été commis par les fonctionnaires ayant des attributions de contrôle, le montant de peine prévu par la loi est augmenté de 2 années. Infraction assimilée à la corruption, infraction directement liée à la corruption, infraction contre les intérêts financiers à la communauté européenne. Dans l'individualisation judiciaire des peines pour corruption, la Haute Cour de cassation et justice de Roumanie s'est proposée d'élaborer un ensemble de recommandations en ce sens, partant des critères généraux prévus par le Code pénal, mais ayant un caractère fortement spécifique de cette infraction. L'idée d'un tel set de recommandations reposait sur la mise en valeur de l'expérience britannique visant à sanctionner concrètement toute infraction, mais harmonisée aux spécifiques de la législation nationale et surtout aux spécifiques des infractions de corruption. On a institué en ce sens un groupe de travail où on a élaboré 2 études semestrielles pour fonder en droit des textes, puis un set de recommandations soumises au débat de la section pénale, puis consultées par les cours d'appel qui ont jugé de leur valeur pratique, les plaçant ultérieurement sur le site d'information de l'instance. Dans de nombreux cas de corruption, aussi bien la défense que l'accusation ont dans leur voie d'attaque, dans leur critique de l'individualisation des peines appliquées par instance, fait des références ponctuelles à ces recommandations, ce qui est une reconnaissance de la nécessité de les appliquer. L'élaboration de la première étude portant sur l'individualisation des peines dans les causes de corruption visées à rendre efficace l'interprétation et l'application unitaire des qualités des prévisions légales, représentant un instrument de synthèse et analyse de la manière concrète dont les instances compétentes pour juger les affaires de corruption fixaient les montants et modalités d'exécution de ces peines après avoir constaté la culpabilité des appelés en justice. L'étude ne visait pas une finalité théorique, abstraite, pour souligner ses conclusions dans une perspective pluridisciplinaire, criminologique, sociologique, statistique, ni une esquisse de coordonnées de politique pénale générale, surtout dans le domaine de la corruption. Elle se proposait au contraire de refléter d'une manière pragmatique, d'une part, le mode d'application effectif des critères généraux, dans l'individualisation judiciaire des peines, dans des causes portant sur les infractions de corruption, et d'autre part, de susciter l'intérêt sur le besoin de formuler et soumettre au débat des recommandations orientatives plus détaillées
concernait l'individualisation judiciaire des peines en la matière. Un groupe de travail formé de 6 personnes a été constitué par les juges de la section pénale, un magistrat assistant de la direction de législation, études, documentation et informatique juridique, le président de la section pénale, le vice-président de la Haute Cour de cassation et justice. Et par cette voie, je remercie encore une fois à ce groupe pour les fiches très complètes qui ont représenté le fondement de la première étude. Suivant un calendrier par étapes, c'est proposé d'accomplir cette démarche. Les objectifs visés par la Haute Cour de cassation et justice de Roumanie dans la réalisation de la première étude furent donner un fondement pratique au processus d'individualisation judiciaire des peines dans les cas différenciés de corruption fréquente de genre de celle-ci se mentionnait. L'on a pris en considération la modalité concrète dont l'infraction a été commise, la qualité des inculpés ayant commis les infractions, les montants des sommes réclamées ou reçues, les montants des peines appliquées et les modalités d'exécution. Les recommandations concernant les trois infractions de corruption, respectivement pot de vin reçu, trafic d'influence et achat d'influence, mettront en évidence des aspects de méthode concernant l'évaluation, tant en ce qui concerne les faits que la qualité qui commente ce genre d'infraction et dans la fixation du montant de peine dans le sens d'une appréciation unitaire. La première étude reposait sur l'analyse de 5 à 9 décisions de justice définitives rendues par des instances appartenant aux 15 cours d'appel. Des fiches étant élaborées pour retenir certains critères, les qualités des inculpés, la situation des faits, l'encadrement juridique, la peine, y compris la mention concernant la sursis sur surveillance, des critères d'individualisation, la décision de l'instance de l'appel, ainsi concerne les arguments, la motivation, la décision de l'instance de recours, la motivation de l'individualisation des peines. L'élaboration de la deuxième étude semestrielle concernant l'individualisation de peines dans les causes concernant les infractions d'acceptation de pots de vin, trafic d'influence et achat d'influence a continué, mais dans une autre perspective. L'instance suprême visant surtout à approfondir le processus des fixations des peines et les modalités de leur exécution par une analyse concrète, aussi bien des moyens de preuve concernant les circonstances factuelles, en reflétant les circonstances atténuantes ou aggravantes, les modalités utilisées pour commettre l'infraction, ainsi que le profil moral et la personnalité des inculpés, respectivement leur qualité au moment où ils ont commis les infractions retenues à leur compte, les composantes sociales et morales, mais aussi strictement personnelles, tenant de l'éducation, la formation et la famille. Vu les spécifiques des infractions mentionnées, une incursion bien plus concrète dans la jurisprudence a donc eu lieu, car ces infractions supposent soit plusieurs modalités alternatives ou les commettre, prévues par le législateur même, comme dans le cas de pot de vin, soit différents modes opératoires choisis par les inculpés, connus comme modus operandi, du point de vue des personnes sur lesquelles ils pouvaient exercer une influence ou de l'apparente qualité de ces personnes, ou de ceux qui essaient d'acheter leur influence. Dans le contenu de cette démarche, l'on a même tant examiné la mesure dans laquelle le montant des peines appliquées et les modalités de leur exécution pour le cas des infractions indiquées s'inscrivent dans les recommandations de l'instance suprême uniquement dans la perspective des critères énoncés. J'estime néanmoins qu'une analyse, y compris par le biais des recommandations exprimées, permet un examen comparatif dans le cadre de processus d'individualisation judiciaire des peines, tout comme les aspects détaillés de ces recommandations se complètent
Et les conclusions de cette étude ont aussi permis de réfléchir sur la manière dont le juge a recours pour établir les peines et former l'exécution de celles-ci à une évaluation plus détaillée pour que l'inculpé et l'opinion publique comprennent mieux les conséquences d'un tel processus. Les détails sur ces recommandations, vous pouvez les trouver sur le site de la Haute Cour de cassation et de justice, les deuxièmes études, et aussi le set des recommandations. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Thank you.